On est le 19 janvier 2012. Il est 9h10, je suis chez Temac Machine à Montréal. Je suis prêt à faire les dernières modifications là, pour ou les derniers ajustements pour effectuer les premiers tests en mode vapeur sur la turbine. Donc j'ai modifié en bas ici, j'avais une fuite tout à l'heure, c'est au niveau des radiateurs. Et puis je regarde la pompe aussi, puis je prépare les couplings pour l'adaptation dans ce point-ci, pour l'entrée de vapeur puis la sortie. Il reste à mettre l'huile à l'intérieur. Puis cet après-midi, je vais aller à l'autre shop, je me souviens plus c'est quoi le nom. Donc je vais faire le setting là, côté électrique, côté mécanique, pour effectuer idéalement les premiers tests aujourd'hui en mode vapeur. Puis demain, RBV va être présent pour effectuer l'acquisition de données avec moi dans le fond, là, régler les petits problèmes qu'on a avec la drive. Et puis, c'est ça.
problème électrique là. On est le 20 janvier, bonne fête, mom! Un problème électrique là-dessus. Ouais, tout résoudre ça.
pas 5 ans, là, qui se promène. Là. Positive ici, mais mon torque est en négatif. Ouais. Okay, donc, s'ils sont un inverse à l'autre, ça veut dire que je suis en train de régénérer. Fait que là, ma vitesse, tu vois, j'avais mis là, ma vitesse, quand la pression abaisse, on voit que la vitesse baisse, là, je fais mon tracé. Puis mon torque est tout le temps à moins 100%, donc il force tout le temps à moins 100. Fait qu'on voit que t'as plein de variations. Hein. Ouais, il y a une petite variation dans la vitesse, oui. Des variations, on les voit là. Alors, on était chanceux tantôt, on n'a pas eu une. Ce que je pourrais faire, je pourrais rajouter le power dedans. Donc, on va voir combien qu'on régénère.
vitesse, mais il ne descend jamais en bas du 100 RPM. Il continue tout le temps avec la brise. Il va tomber en mode motoring. À 200 RPM. Allez, à 200. Là, on est vraiment en train de régénérer. Ma machine à côté, que tu as mis une quatrième en arrière.